Monsieur Antoine Pont, vous êtes architecte et vous avez été professeur au Bois de la Cambre. Vous êtes né le 9 décembre 1873. 105 ans aujourd'hui, ça représente quoi? C'est ça. C'est bien ça. Ça représente quoi d'avoir 105 ans? Ce que ça représente, eh bien, ça représente ceci, c'est que somme toute, c'est le cas très rare d'un homme qui ait pu accomplir une telle époque dans le temps est extrêmement rare. Elle permet d'avoir une grande envergure sur l'époque qui vient de s'écouler et qui, à mon point de vue, a été une époque étonnamment évoluante. J'ai connu, peut-on dire, le Moyen-Âge comme confort, comme état d'esprit. Mon père était un petit bourgeois de la province de Bois-le-Duc, en Hollande. Il était un des 8 enfants que mon grand-père avait fabriqués et qui c'était tout commun de ce temps-là. Il y avait 8 enfants, mais c'est mon père qui était le plus évolutif, le moins stationnaire de toute la partie. Il avait des idées d'avant-garde et il n'est pas resté longtemps au Bois-le-Duc. Tout jeune qu'il était, il s'était rendu compte qu'il vivait dans un village et qu'il voulait voir autre chose. C'est ainsi qu'un jour, il débarqua en faisant molche, comme on dit, avec tout ce qu'il fallait pour vivre pendant quelque temps, pour tâcher de survivre dans un pays dont il avait entendu parler, la Belgique, qui était le pays le plus proche, et notamment Bruxelles, qu'il avait beaucoup admiré à distance en entendant parler de cette capitale prodigieuse qui était Bruxelles. De ce temps-là, vous rendez compte. Monsieur Pont, nous sommes place de Brouckère ici. Qu'est-ce que vous pensez de Bruxelles actuellement? Le Bruxelles auquel vous faites allusion, oui, tel que moi je le vois, qu'il est vu, je ne le reconnais plus. Si on me mettait ici à l'air sans être conduit, je serais perdu. Je ne vois plus le moindre rappel de ce qui me rappelle le Bruxelles que moi j'ai cru. C'est vraiment tout à fait changé pour vous. Oui, c'est bouleversant. En laideur. Aucune impression de beauté, mais une impression de c'est fait par des architectes qui ont la cuite. Regardez-moi ça. Ça sort de l'architecture. Il faut chercher un autre mot. Ce mot n'existe plus quand on voit ça. C'est fait par défaut des habitants de la Lune. Autre chose à dire, ça n'est plus de l'architecture. Il n'y a pas grand chose à dire. On ne va pas faire des discours, hein, c'est une catastrophe. Et il s'est marié ici, en Hollande ou en Belgique? En Belgique. Et c'est là qu'il a fabriqué son premier enfant, qui était ma sœur, et puis c'est moi qui suis venu à Bruxelles, près de la gare du Midi, en face, dans une toute petite bicoque où il a essayé de tirer son plan. Et quand j'avais l'âge de 18 ans, oui, il a eu le bon esprit de mettre une annonce dans un journal allemand. On demande pour échange d'enfants, pour un jeune homme qui a tel âge, et faire connaître réponse à tel journal, et ainsi. C'est ainsi qu'il a donc... J'ai été recueilli en Allemagne, à Munich. À quelle école avez-vous été à Munich? À Kunstgewerbeschule. C'était une école importante? Oui, c'est une école qui n'existait pas en Belgique. Et vous êtes resté longtemps à Munich? Comment? Vous êtes resté longtemps à l'école de Munich? À 4 ans. 4 ans. Oui. Millénaire. Oui, ça s'appelle un ketchup. Le docteur nous a demandé si on avait déjà goûté ça. Moi, je l'ai non, pas non, pas non, non, c'est tout nouveau. C'est nouveau. Bonne santé. Alors, nous allons avoir une demi-heure à la chapelle, tous les matins. Mon livre de prière, il n'y avait pas de prière, toutes mes leçons écrites avec une loupe. Et je lisais pendant une demi-heure mes leçons à l'église, et dans la classe, j'étais le premier. Ça vous donne pas envie de jouer au football? Qu'est-ce que vous avez fait comme sport? Gymnastique.
trois fois par semaine. Il y a le cercle de gymnastique à la place Roupe. J'ai tout de suite compris qu'un homme qui travaille de la tête du matin au soir pendant toute l'année a non seulement un cerveau, mais qui a aussi des muscles. Et moi, je ne veux pas d'un homme qui n'a pas de muscles. Il faut avoir un cerveau, être un homme sans un cas du cœur, qu'on comprend pas avec de sensibilité, et être un homme formé techniquement, comme je dessine le bâtiment solidement. Un homme doit être en même temps un artiste et un homme sportivement développé. J'ai toujours voulu qu'un homme complet soit en même temps un homme de tête, un homme de cœur et un homme de muscles. Quand vous étiez plus jeune, est-ce que vous vous imaginiez qu'un jour un homme marcherait sur la Lune? Non, parce que mon esprit alors n'avait pas encore le développement voulu pour comprendre. Les gamins n'avaient pas assez de développement de cerveau pour assimiler tout ça. Ils ne voyaient pas, il y avait trop de choses qu'ils ne comprenaient pas. Ça vivait, et c'est, comment dirais-je, on lui donnait à manger beaucoup plus que son estomac pouvait avaler et digérer. Mais avez-vous connu une femme architecte? Comme ça, oui, comme on montrait à l'académie, mais personnellement pas. Et vous étiez d'accord pour une femme soit architecte? Non. Donc vous préfériez voir la femme dans son intérieur? Oui, de beaucoup, je lui disais d'ailleurs. Et elle se mettait tout à côté de moi. Toutes les semaines, on change de modèle. On attendait que je cherche la mienne. Je prenais la meilleure place, et clairement, distance, etc. Quand c'est les femmes qui venaient se mettre à côté de moi, avant des garçons. Et le travail qu'elle faisait était bon? Pas meilleur que celui d'un garçon. Mais donc c'était tout aussi valable? Oui, si elle est douée pour comprendre ce que nous comprenons, le sexe n'y fait rien. Il y a des métiers que les femmes doivent faire, pas les hommes. La même chose, il y a des métiers d'hommes, il y a des métiers de femmes. Ça, c'est mon point de vue. Et vous n'êtes jamais monté sur un tram qui est conduit par une femme? Oui. C'est pourtant la même chose. Ah, mais parce qu'il y a des femmes-hommes. Ah oui, il y a des femmes-hommes. Il n'y a que le sexe, il n'est pas... Mais ce sont des hommes. Vous trouvez alors que les femmes qui conduisent les trams, qui conduisent les voitures aussi? Ils ont été choisis parfaitement. Il y a des femmes qui savent conduire une voiture et un tram mieux qu'un homme. Il y a des femmes qui n'ont pas bon pour conduire une voiture. Et que pensez-vous de Horta? Vous avez travaillé chez lui? Non, mais je l'ai connu. Et je suis même allé le voir. Mais il avait un art que je n'aimais pas. Pourquoi? Parce que je trouvais que ce n'était pas le dessin d'un homme. Trop fignolé, trop de lignes courbes. Il détestait la ligne droite. Alors ce dessin avait quelque chose de mou, d'indécis, qui n'était pas le dessin d'un homme, c'était le dessin d'une jeune fille. Monsieur Pont, nous sommes devant une maison de Horta. Qu'en pensez-vous? C'est ça. C'est ça, oui. Ah, c'est ça, Horta. D'abord, ça n'est pas dessiné par un architecte. C'est dessiné par un pâtissier en délire. Ce n'est pas de l'architecture sans être discuté. Il faut se placer sur un autre terrain. Alors je me mets sur le terrain du dessinateur. Le dessinateur qui a imaginé, il doit encore apprendre à dessiner. Ce n'est non pas seulement de l'architecture, ce n'est pas de l'architecture, et c'est du très mauvais dessin. C'est du dessin épileptique. Ça n'a ou quand même le mérite d'imiter un style de bonne qualité, ce qu'on faisait de mon temps. On laisse des architectes, quand ils dessinaient, pas en moderne, mais en style, connaissaient les styles. Celui-ci, je ne sais pas s'il les connaît, mais en tout cas, ce n'est pas des modernes. Ça, c'est du macaroni, ça. En matériaux durs. C'est tout ce qu'il y a de mauvais, on ne peut pas nommer. Ce n'est pas de l'architecture, c'est de la caricature. J'étais un vrai garçon. J'aimais bien les filles. Ouais. Et à l'heure actuelle, et maintenant, j'apprécie toujours le beau sexe. Ça n'a pas varié d'une virgule. Et les femmes ont-elles joué un rôle important dans votre carrière? Votre femme, par exemple, vous a-t-elle aidé dans votre métier? Non. Elle m'a aidé en ce sens que j'ai épousé une excellente épouse qui m'a rendu heureux. Et il faut ça aussi pour un homme qui travaille. Elle n'a pas besoin de s'occuper de mes plans près d'une excellente femme d'intérieur.
Ma femme n'y connaissait rien. Elle dit, je ne discute pas ce que tu veux, je suis certain que c'est bon. Hein? Tu tiens raison. T'es. Mais je vais te préparer un bon manger, tu vas être content. Elle dit, c'est bien carré, regarde. Ça me semble que j'étais gourmand. C'est comme ça que j'étais en train de... Ça vous plairait, samedi prochain, d'aller manger à l'Hôtel Palace? Parfaitement. Pourquoi? Parce que c'est neuf de ma jeunesse. Et je me vivre comme un des mortels dans une œuvre que j'ai faite il y a X années. C'est votre enfant, en quelque c'est sorte. C'est mon enfant que je veux revoir avec une distance de X années. Et voir ce que j'en pense maintenant. Nous sommes devant l'Hôtel Palace que vous avez construit en 1909, Monsieur Pompe. Quel effet ça vous fait de revoir ça aujourd'hui? Eh bien, ça n'a pas beaucoup de prétention, mais au papier artistique, mais c'est de l'architecture pratique où le décor ne mange pas l'utilitaire, la pratique. Un hôtel, c'est un instrument de confort pour l'habitant. Il faut donc rendre le quartier en conformité avec la fonction du bâtiment. Alors je dis, donc cette architecture est très modérée, et ce n'est pas artistique, comme on dit, mais c'est propre. Vous êtes toujours satisfait de revoir ça aujourd'hui? Oui, il n'y a pas de faute du point de vue purement fonctionnel et pratique. C'est bon, mais ce n'est pas une œuvre d'art. Vous vous considérez comme un révolutionnaire à tout point de vue? Oui, mais pas dangereux. Oui, c'est des idées révolutionnaires. Attention, mais avec beaucoup de méfiance vis-à-vis de moi-même. Je sais que quand j'étais plus jeune, que j'étais un audacieux. Ça vous a réussi? Oui, ça m'a réussi. On n'a pas démoli ma maison. Summer breeze, keep me warm in your love, then you're soft.